Ladies and gentlemen, dear choral music lovers, wherever you are on planet Earth, thank you for welcoming us into your home for the first edition of African Choral Night Virtual Concert, organized by the African Confederation of Choral Music, entitled In the Moonlight. It is with great pleasure that we will take you on a musical journey to the four corners of Africa to rediscover the richness of its traditional choral music heritage in all its diversity. Diversity in repertoires, styles, expression, languages, and cultures across a dozen or so countries represented. Diversity too in the different choirs that will be performing on stage today. Bonjour, je suis Joël Mathieu Benyinda, choriste, chanteur et maître de chœur camerounais. C'est un honneur et un privilège pour moi de vous présenter cette première édition inédite du concert virtuel organisé par la Confédération africaine de musique chorale. Cap sur le Bénin à présent, ce pays magnifique d'Afrique qui est connu et réputé principalement pour être le berceau du vaudou, mais également pour sa diversité de traditions ancestrales et de vestiges historiques. Je pense particulièrement au palais royal d'Abomey. Comme un clin d'œil à l'histoire, Omo Oba, qui signifie prince ou princesse, est une pièce en langue yoruba de Steve Kovu. Elle rend hommage à un prince ou à une princesse. Elle est interprétée dans le cadre de ce chœur virtuel par le chœur Magnifica Bénin. C'est un créé en juin 2020 à Abomey-Calavi. Avec un répertoire très varié, il se distingue par son intérêt marqué pour les airs, les rythmes, les langues et les harmonies de différentes régions du Bénin. Écoutons le chœur Magnifica Bénin sous la direction artistique et technique de Eric Nicéphore Edé. Oh,
incursion à présent dans l'Afrique des Grands Lacs. Nous allons faire un arrêt cette fois au Burundi, un pays situé en Afrique de l'Est, au cœur de l'Afrique, au sud de l'Équateur, et particulièrement réputé pour ses fameux sanctuaires traditionnels de tambourinière. Shemeza Umukama Zomuhaya, du frère Jean Bosco Wakana. C'est un chant d'action de grâce en langue kirundi, pour montrer à quel point Dieu est digne d'être loué parce qu'il est toujours juste envers tous les hommes et toutes les femmes. En exprimant son amour infini, en nous créant à son image avec tout ce qu'il fait pour nous, il est incomparable. Avec la sainte Thomas Aquinas Choir créée en 2004 à Bujumbura, qui fait preuve d'un dynamisme remarquable sur le plan local dans l'animation de célébrations liturgiques et la promotion de causes sociales. Je vous invite à écouter cette chorale, qui est sous la direction de Arben Mutuka. Oh.
in the depth of the equatorial forest. Welcome to Gabon, the Central African country on the Ecuador, bathed by the Atlantic Ocean and endowed with such a rich ecosystem and biodiversity. We Ovu Omaya and Lost Voices, a medley from Patience Dabani and Vico Secondo's pieces. We Ovu Omaya, a song in Teke language, deals with the pain caused by the death of a mother to its children who never get used to it. Lost Voices, in Togo language, exhumes the profound word of the pygmies during the migration. You have to come destroy everything. Please let us live. Still reads current today with the global warming and the forest destruction. A performance from Samba Africa, a young choral group created in 2021 by the initiative of local section of the African Youth Choir to promote and enhance the African and Gabonese music and cultural songs, making them accessible to all. The choir's repertoire combines a blend of African culture and many other musical styles. Conductor Joseph Ondo Mebun.
avec un littoral sur l'océan Indien et dont les paysages et la faune n'ont pas fini de faire la renommée dans le monde entier. Nkiri Wudu Waruki est une musique de Marie Tamamashi, arrangée par Jeffrey Mokoto. Il est ressuscité, réjouissons-nous, le Christ est ressuscité. En langue française, voilà la traduction littérale de ce magnifique chant. C'est une mélodie de la communauté Davida, de la région côtière pour célébrer le Christ ressuscité. Avec le Pambo Afrikwa Chorus de Nairobi, un chœur engagé depuis sa création en 2002 par Geoffrey Mokoto, dans la promotion de compositions et arrangements de pièces du folklore kényan et africain. Je vous invite à écouter le Pambo Afrika Chorus. République démocratique du Congo, en Afrique centrale, sur la rive ouest du fleuve Congo.
où nous allons écouter la pièce Noël ni Noël de Roselyne Samba. Elle raconte la naissance du Christ avec Marie accompagnée de son époux Joseph sur la route de Bethléem pour donner naissance à l'enfant Jésus. Sur scène, le chœur Le Rosaire, créé en 2018 par Roselyne Samba et dirigé par elle-même. En dépit de sa jeunesse, ce chœur a déjà été lauréat de nombreux concours internationaux organisés au Congo. Il jouit d'un succès notable sur le plan local dans l'interprétation de pièces venant des quatre coins du pays. Écoutons le chœur Le Rosaire. On the shores of the Atlantic, in the western part of Africa, we'll be landing in Senegal, renowned for its legendary teranga, which reflects the generosity and openness of its inhabitants towards foreigner. Yolo Yalla, a piece of Mark Silva. In thanksgiving for the blessings of God and His creation, everything that lives
in the water, on earth, and in the heavens is thanks to you. God, there is no one like you. Take care of your children. With the choral, Daniel Brottier from Martyr de l'Ouganda, created in 1988, one of the Senegalese capital's most emblematic choir. Now in his 35th year of existence, this multicultural group, in which more than 10 nationalities are represented, boasts an eclectic repertoire ranging from classical to traditional, as well as a variety of gospels. Conductors Destin Dibansa and Philippe Colli. Kuse na samante uchi sufsi gis ndoch mi wer aduna dila nau yala. Dila nau yala. Ugis minde fitach ofile doch di dago febti aduna dila nau yala. Dila nau yala. Jigena gori uf nyabot bitabar seni kerti aduna dila nau yala. Dila nau yala. Hey yala. Manga multi tenga. Teyal teyal. Selo bolile. Langa bit silala. Aral aral. Jamono dile. Money come, money.
samanta uchi susigis noh mi wurchi aduna dila nau yala. Dila nau yala. Kugis minde fitaha file doh di dago febchi aduna dila nau yala. Dila nau yala. Now ya la plongeons à présent, si vous en avez convenance, dans la triste tradition d'un pays d'Afrique centrale qu'on appelle affectueusement l'Afrique en miniature. Il s'agit bien là du Cameroun. À travers cette œuvre tirée du premier livret de la collection Polyphonie du Cameroun publié aux éditions à Cœur Joie, qui est le fruit d'un projet de collecte de chants traditionnels par l'Association des Amis du Cœur Madrigal du Cameroun. Le titre de cette œuvre, Ma Foule Moine, arrangé par Jean-Alexis Bacon, se veut une berceuse exécutée en langue béti, une ethnie du centre du sud du Cameroun, pour consoler un enfant qui pleure ou pour l'aider à s'endormir. Généralement, cette berceuse est exécutée avec le bébé posé sur les jambes de sa maman. Sous la direction de Jean-Alexis Bacon, je vous invite à écouter le mot Ayouf Kwayo, qui est un chœur de chambre créé en 2019 par l'Association des Amis du Cœur Madrigal du Cameroun, qui réunit chaque année 32 chanteurs âgés de 18 à 28 ans autour d'un projet pédagogique et artistique. Écoutons le Mboa Youth Choir. Oh,
Let's go down to the farthest reaches of Southern Africa, between the Atlantic Ocean and the Indian Ocean. South Africa, the Rainbow Nation, a land of diversity with landscapes of rare beauty and a blend of culture. Kimong, a traditional gospel arrangement in Setswana by Tabu Matego. This piece is a medley of three African gospel songs. The first song tells a story of Jesus healing miracle at the pool of Bethesda. Then the second part means, his name is Emmanuel. The last part means, I want to be there when the saints walk into the gates of the heavens. With Guava Choral Group, founded in 2009, a multi-award-winning in classical and jazz music, and a cappella chamber choir based in Johannesburg, South Africa, conducted by Sabelo Mtebu. For our final step over, a landing on the stage of the last Africa Contact Festival, an international festival which welcomed a dozen of African and European countries in Yaoundé, Cameroon in August 2023. Kwang,
a traditional piece in Bamileke language from West Cameroon, arranged by Ken Wakia. A song full of wisdom, which invites us to be wary of the pacts made with the spirit to achieve success, through the story of a man who had given into temptation and who could no longer get rid of the ring that he had been given to achieve success, with an original interpretation that celebrates the diversity of African choral music and calls for unity to preserve the richness of its heritage. Who better close this cultural stroll than the African Youth Choir, one of AMCCM flagship project launched in 2012 in Libreville with the aim of promoting African choral heritage through the values of interculturality, peace, and solidarity. An AFCM ambassador in 2014, the African Youth Choir brings together more than 10 African countries, reflecting the richness of Africa's choral diversity. Conducted by Ken Wakia. Yeah.
Eh bien, chers participants, c'est sur ces notes magnifiques que prend fin cette première édition du concert virtuel organisé par la Confédération africaine de musique chorale sous le thème « Au clair de lune ». Un grand merci à tous les chœurs participants qui nous ont fait voyager aux quatre coins de l'Afrique et qui nous ont offert un magnifique panorama de la richesse culturelle musicale africaine. C'était Joël Mathieu Belinda, musicien, choriste, chanteur et maître de chœur au Cameroun. Je vous remercie de votre attention et de votre participation. À la prochaine édition. Hotel Lombelle.